Ah, c'est une étagère en carton que j'ai réalisée entièrement en carton recyclé. Je vais vous faire une petite visite, ce sera plus simple. Là, vous voyez, j'ai un tiroir, je peux mettre tout mon linge de maison dedans. Et puis, à côté des tiroirs, des gros tiroirs, il y a des petits tiroirs comme ça, si j'ai un jour besoin de ranger plus d'affaires, et ben j'ai de quoi les mettre. Là, le miroir là, ben, je l'ai évidemment pas acheté parce que ben, j'avais récupéré sur un autre miroir. Et là ici, ben, j'ai un petit coin de rangement. J'aime bien mettre ma bouillotte ici comme ça, comme quand je la vide, il y a toujours un peu d'eau comme ça, elle a le temps de sécher. Donc je vous remontre le meuble. Quand j'avais réalisé ce meuble, je l'avais fait d'abord en deux parties. D'abord, j'avais fait la structure triangulaire. Et par la suite, j'ai rajouté les tiroirs et les miroirs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à demain pour un autre meuble. Bye bye!